Émeric Thomas au départ du quintet final du trophée vert dimanche. Vanderlof qui vient de se produire à Cagnes-sur-Mer, malgré un bon chrono, il n'a pas pu s'illustrer. Ouais, bah, disons que avant le coup, bah, je voulais courir la finale, et puis donc j'avais été à Cagnes pour prendre des gains. Le lot me semblait pendant ses cordes, mais bah, ouais, le chrono est quand même là. Ouais. Et puis il démarre pas très bien, hein, donc j'avais en plus un peu assuré, parce que voilà, très assez à force pour être au galop. Donc, parti très moyennement, et bah, ensuite il y avait énormément de rythme, c'était compliqué. J'ai mené un peu offensif, plus que. Il n'a marqué pas pour finir, mais malgré tout, il a fini dans un temps déshonorable. Donc, cette course lui était certainement nécessaire, Emery, qu'il avait parcouru depuis fin juillet. Bah, en fait, oui. C'était un moment où j'avais la finale en tête, et puis j'avais commencé par sur soi, où pareil, il était parti au galop, il avait remis sur une course. Donc, dans un lot, quand même, il était assez inférieur à celui qui sera présenté là. Ensuite, bah. Poursuivant dans ma connerie, donc j'étais à Cagnes, c'est un côté fructueux, donc à la base je pensais pas courir la finale, mais j'ai couru remonter d'ailleurs ce jour-là, pas du moins dimanche, je veux dire. Et puis c'est qu'après les forfaits, hein, donc j'ai vu que ça s'était creusé, que bah, finalement on est quand même parti. Hein. Bah, si vous Donc, laissez voilà. tenter dans la finale alors que vous auriez pu courir monter, c'est un signe de Bah, confiance pour dimanche. ouais, bah, je pense que vous connaissez un peu aussi maintenant, c'est un jeu. Quand il fait pas de conneries en partant, déjà lui. Mais sur l'herbe, il a quand même, à chaque fois qu'il a couru, il a en général bien couru. Il a gagné brillamment à Montier-en-Der il y a un an, un an et demi. Il a un trophée vert, ensuite, je sais pas quoi, beaucoup sur l'herbe, moi. Il a toujours bien fait sur cette surface, c'est un truc à une pointe de pied. Et donc, voilà. Bon, est-ce que vous avez effectué quelques réglages pour l'empêcher de vous ennuyer dans les premiers mètres? Il y a eu une explication entre nous deux ce matin. On verra si ça a raffiché ou pas. Non, trêve de plaisanterie, non, j'ai pas rien inventé de spécial au niveau du jardinage, parce que je le connais. Enfin, voilà, j'ai essayé plein de choses. C'est un peu à son bon vouloir, entre guillemets, et puis à son état physique. Quand il a un petit souci physique, bah, il est indémarrable. Là, actuellement, il me paraît bien tout. Je vais faire des 4, chose qui est très rare pour lui. Bah, vu que c'est de l'herbe, vu qu'en théorie ça devrait quand même pas être trop dur. Même s'il a fait chaud, je pense qu'ils ont fait ce qu'il faut pour la finale. C'est-à-dire l'arranger comme il faut, et puis j'espère. Donc je vais faire des 4, ça peut être normalement un plus. Et puis après, bah, faudra être à droit en partant, puis voilà. Si vous êtes à droit en partant, que lui est à droit pour finir, on peut le voir à l'arrivée? Bah, je pense qu'il, même si l'eau est très bien composée, hein, il y a d'excellents choix à 25 mètres, ils sont peut-être un poil meilleur que lui, mais bon, quand on repense à son quintet de Vichy, hein, c'est quand même pas un singe, hein, quand il est bien, il est capable de belles choses. Et non, c'est sûr que si je me laisse tenter par la finale, c'est pas pour faire l'admiration.